peine est déjà partie, déplore des nuits interminables. Bébé était trop déçu d'attendre l'appel de papa. Un abandon pressé car trop l'âge du coup se sentait minable. Il grandit les années passées, la haine qui s'installe. La fête des pères, quel absurde moment. Quand il doit fabriquer une surprise avec les autres enfants. Première entrée maternelle et c'est les critiques qui font la paire. État solide devient solitaire. Rejette les hommes et leur cupidité. Il rendra responsable sa mère des multiples séquelles on crée. Attend toujours à la sortie une surprise inattendue. Mais plus les jours défilent et plus il n'y croit plus. Papa, que fais-tu? As-tu refait ta vie? Moi comme maman, certains soirs on se met à craquer. On aimerait pouvoir te prendre dans les bras et dire que nos cœurs ne feront que t'aimer. Mais toujours cette confusion d'avoir été des personnes non désirées. La page de mon passé sont devenues indestructibles. Et même dans 50 ans, je te retrouverai. Pour lire dans ton regard le pourquoi du comment. En remerciant maman de ne pas être partie. Et aujourd'hui pour moi, mon repère à la vie. D'autres n'ont pas eu cette chance. La détresse de leur sourire furtif et le poids qu'ils doivent surmonter. C'est leur cœur qui les exploite. Leur mentant sans leur ressenti. Depuis qu'ils sont petits, a un espoir de pouvoir être encore ici. Qui doit-il pardonner et qui dois-tu maudire? Une prise de conscience, pas de faux semblants. Ne sait pas vraiment qui se cache au fond de lui à présent. Grandir son point de repère paternel. Apprendre qu'un jour lui aussi sera amené à construire sa famille et devra faire le choix de rester ou partir. Un enfant qui voit le monde avec un vide immense. Voudrait-il vraiment attraper la main d'un ange? Se perdre encore, s'éloigner un peu plus. Dire pardon à sa mère d'avoir été le fils non voulu. Des larmes qui montent, une incompréhension. Devra se battre plus que les autres pour prouver que son père a eu tort de le laisser solo. Un enfant qui subit les coups des sœurs devra sortir plus souvent la tête de l'eau. Pas de placebo, mais un vécu énorme qui le fera devenir un homme qui perd confiance envers toutes les âmes. Souvent brutal dans ses paroles, cela n'excusera pas tout. Trouvera le génie de la lampe et faire en sorte de mettre un visage sur ses mots. Comprendre les mots de papa et c'est qu'impliquer la chose. Ne pas plumer la rose en la laissant mourir sans splendeur à la cause. Je t'en veux, je te pardonnerai peut-être jamais. Mais deviens un papa courageux et dis-moi pourquoi tu m'as abandonné en me laissant devenir ce triste enfant solo. Je t'en veux, je te pardonnerai peut-être jamais. Mais deviens un papa courageux. Dis-moi pourquoi tu m'as abandonné en me laissant devenir ce triste enfant solo. Ce triste enfant solo.